Oui, de retour sur le plateau avec deux nouveaux invités. La société, c'est Linto, c'est ça? Oui, Linto, c'est en fait une filiale de notre boîte principale qui s'appelle Linagora. D'accord. Alors, expliquez-nous un petit peu tout ça. Alors, Linagora, à la base, c'est quoi? À l'origine, c'est le leader français du logiciel libre qu'on a créé donc il y a 20 ans. Et d'accord. Il y a quelques années, on s'est dit qu'il y avait un enjeu essentiel sur la partie consommation du numérique à travers la voix, tout ce qui est du domaine des assistants vocaux. Et on s'est dit que notre rôle, c'était d'apporter une alternative. Notre rôle, c'était d'apporter une alternative au modèle dominant Google ou Amazon. Oui, ouais, ce qui n'est pas forcément évident. Oui, absolument. Ouais. Ouais. Et donc, on avait vocation, nous, Linagora, par notre rôle de leader du marché du logiciel libre en France, d'essayer de démontrer qu'on pouvait fabriquer quelque chose d'équivalent et d'aussi performant qu'un Google Home ou qu'un Alexa, mais uniquement en utilisant des technologies open source. D'accord. Et donc là, vous venez avec Linto qui est ici. Comment ça fonctionne? Enfin, qu'est-ce que c'est exactement? Alors ça, effectivement, c'est il y a un écran. Hein. Oui, ouais, absolument. Donc c'est le prototype numéro 2 là qu'on présente en fait cette année. Il s'allume ou pas? Ah oui, on l'a pas branché. On va dire qu'il s'allume pas là tout de suite. Okay. Mais si vous venez nous voir là demain matin sur Eureka Park, on vous fera la démo sans aucun problème. Michel, tu veux répondre à la question là? Oui, c'est un assistant personnel. Donc il y a une partie, un matériel, donc un device qui va être connecté, sur lequel on va interagir avec la voix. Et ensuite, ça fonctionne avec des compétences. Donc on peut demander, alors nous notre business c'est plutôt le monde des entreprises, donc on travaille plutôt dans les collaborations d'entreprises, et donc on va pouvoir par exemple organiser des réunions, partager des documents, et quand ce dispositif est installé par exemple dans une salle de réunion, on peut lui demander par exemple d'enregistrer l'échange qu'on peut avoir là, et à la fin d'avoir une transcription, voire de demander un résumé, ce qui va permettre d'améliorer la productivité en fait des agents. Exactement. C'est pratique et voilà. Ça gagne un temps, parce qu'on sait le nombre de réunions qu'on peut faire en France par exemple, plein de boîtes, pouvoir simplifier les choses à l'arrivée, c'est pas mal. Et on a beaucoup de chance parce qu'en fait ça fonctionne parce qu'il y a des grandes organisations comme EDF ou la Société Générale ou Air France qui nous font confiance et qui souhaitent trouver ces alternatives à Google, Amazon ou à Microsoft. Est-ce que c'est pas une manière de protéger aussi leurs infos, non? Oui, exactement. Parce il y a un enjeu essentiel de privacy, de respect de la vie privée, mais en entreprise, c'est du respect du secret des affaires. C'est quelque chose, bien sûr, d'important. Oui, on en parlait tout à l'heure avec une autre entreprise, effectivement. Oui, absolument, c'est essentiel. Et puis, il y a un autre point qui est important, c'est que la valeur essentielle pour toutes les entreprises aujourd'hui, c'est la data. Et dans le fond, tout ça pour vocaliser leurs services numériques. Aujourd'hui, ils font appel à ces géants de l'Internet en partageant avec eux les données de leurs clients qui sont pourtant leur trésor, leur asset. Et donc, la vocation que vous avez quand vous êtes une très grande boîte du CAC 40, c'est plutôt de garder ces datas pour vous-même tout en offrant une expérience utilisateur que vous pourriez offrir avec Google Home ou avec Alexa. Et l'écran, alors du coup, il sert à quoi? Alors, c'est un écran tactile. Donc, qui permet d'avoir des interactions, parce que finalement, si je reviens sur le principe de base, donc si on tape très vite avec un clavier, on fait 60 mots minute, la voix 200 mots minute, donc c'est certainement, et on s'est prouvé que c'est le meilleur moyen enfin, d'interagir et d'injecter de la donnée en fait, dans le système. Par contre, en termes de restitution, l'écran reste en fait, aujourd'hui quelque chose de majeur, et dans les cas d'entreprise, on peut très bien imaginer d'afficher des documents ou des procédures qu'on va pouvoir en fait manipuler. Ou et partager éventuellement avec... parce que du coup, c'est un élément qui peut être partagé avec d'autres bureaux dans une grosse entreprise peut-être, où on peut s'envoyer des choses, ou c'est vraiment... C'est ça, ils sont connectés entre eux. D'accord. Donc l'idée, c'est que, par exemple, on parlait d'EDF tout à l'heure, donc c'est d'équiper en fait des salles de réunion, et effectivement de pouvoir en fait créer des interactions aussi entre les devices entre eux dans l'entreprise. Et on utilise le réseau interne dans ces cas-là, enfin Ethernet, enfin je sais pas... C'est couplé à une plateforme de service, de microservice, qui s'appelle OpenPass, qui est issu d'un grand programme de recherche et développement financé dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir, sujet sur lequel on a bossé au cours des 6 dernières années avec l'école polytechnique, avec les gens du Lauria, avec un certain nombre de start-up.
Et l'Inagora est le chef de file en fait, de ce programme de recherche et développement. D'accord. Et donc, on a une plateforme complète de microservices, de communication et de collaboration. Et donc, oui. Finalement, la partie immergée d'OpenPass, c'est l'INTO. Et la façon que vous avez de consommer ces services de communication et de collaboration, typiquement, vous recevez un mail, vous dites à l'INTO, bah, est-ce que j'ai reçu un mail ? Oui, c'est Watch TV qui te précise... Oui. Quand est-ce que l'émission sera diffusée ? Oui, voilà. Voilà. Est-ce que vous voulez lui répondre ? Oui, merci pour la diffusion. C'était une super émission. Ouais. On s'est éclaté. Enfin, voilà. Et donc, ce qui va être le cas en l'occurrence. Et également même vous lire le mail. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes en train de faire autre chose. Vas-y, lis-moi le mail que je viens de recevoir. Exactement. Ouais. Et ne plus être obligé, ne serait-ce que même que d'ouvrir en fait son mobile pour consulter un simple email. Nous, on pense qu'on n'a pas fini d'améliorer la productivité en entreprise et donc on continue à travailler en fait sur ces sujets-là. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet ? 3 ans, l'INTO, et on a présenté l'an passé la première version au CES. On a eu un très très bon et gros retour et on a eu beaucoup de sollicitations à la suite de ça. Et donc, naturellement, ben, on souhaitait poursuivre. Et donc, on a fait cette V2 qui est encore plus pro. D'accord. Voilà, avec écran tactile, etc. Il y a la prochaine version qui arrive déjà avec la caméra pour pouvoir faciliter voilà, les vidéoconférences, etc. Vous me parliez d'Air France, de grosses boîtes du CAC 40. Vous êtes un peu adossé à eux. Enfin, vous les avez comme partenaires, j'imagine, depuis pas mal d'années, puisque pour rentrer là-bas, j'imagine que ça ne prend pas 5 minutes. Vous destinez aussi, enfin, vous voulez élargir peut-être aux PME, j'imagine, ce genre de produits. Ouais, alors la cible de l'Inagora, ça a quand même été toujours plutôt les grandes organisations. Ouais, parce qu'avec le logiciel libre, vous gagnez vraiment en termes d'économie. Ouais, et de productivité, ouais. Quand vous avez en fait un grand nombre d'utilisateurs. D'accord. Quand vous êtes une petite boîte, autant aller acheter sur étagère à un éditeur de logiciels propriétaires. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais quand vous avez des dizaines de milliers d'utilisateurs, oui, là, ça vaut le coup d'utiliser le logiciel libre. De licence à chaque fois, ouais, c'est ultra violent. Et donc, violent, nous, notre réseau naturel, c'est plutôt de discuter avec les DSI des grandes organisations. Donc, ce qui paraît compliqué pour tout un tas de startups, bah, nous, c'est environnement naturel. Donc, on est assez copains avec les DSI des Direction des services informatiques, hein, juste pour... Exactement. Vulgariser un peu. Ouais, mais c'est vrai que c'est étonnant de voir pour une start-up, justement, ouais, vous le disiez, c'est de pouvoir accéder à des groupes pareils. Quoi. Ça, c'est votre passif aussi en tant que groupe, enfin, société. Ouais, nous, on a des parts de marché qui sont absolument énormes. On équipe la moitié de l'État français en termes de messagerie. C'est pas des choses qui sont connues, mais c'est une réalité. Donc, c'est des chiffres qui sont extrêmement impressionnants. Ouais, c'est plutôt honorable, hein, on va dire. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher pour cette édition du CES ? Bah, toujours pareil, pour nous, c'est de rencontrer les grandes organisations qui pourraient avoir en fait un intérêt dans cette solution-là, parce que nous, on fait finalement du Google Home ou de l'Alexa à façon pour des projets B2B. On résout en fait des problèmes et des enjeux de reconnaissance vocale et d'usage en fait de la voix dans la consommation d'Internet. Pour des besoins métiers. Mm-hmm. Notre use case principal, c'est la salle de réunion, c'est ce dont parlait en fait Michel. Mm-hmm. Mais ça peut être décliné parce que toute la technologie qui est à l'intérieur, elle est open source et on peut avoir toute la techno de l'INTO et sortir cette technologie-là et l'embarquer dans n'importe quoi d'autre. Donc on va chercher en fait des contacts, des grands clients mondiaux, y compris les Français. Et les Français, ils sont présents en masse au CES. Et puis on fait aussi beaucoup de com. Et donc, merci Watch TV pour ça, parce que ça nous aide, bien sûr. Bah c'est la moindre des choses, en tout cas. Mais en tout cas, on va devoir se séparer, hein, vous laisser, parce qu'on attend un nouvel invité. Merci en tout cas et bravo pour votre réussite. Puis je pense qu'on se reverra très, très, très bientôt sur Watch, je pense. Eh bien, super. Merci pour votre accueil. On va marquer une courte pause en attendant le prochain invité. À tout de suite.